Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui je suis en gendarmerie nationale. Mais c'est pas une vidéo patrouille en gros, enfin si on est quand même sur le secteur à patrouiller au cas où. Mais on a une mission bien spécifique aujourd'hui, c'est le contrôle routier. Donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple je m'arrête à un endroit, un carrefour, puis j'arrête des véhicules. Ou sinon bah je peux rouler, puis dès que je vois un véhicule qui me paraît suspect ou qu'on me signale un véhicule, un bala driver sous under the influence, et ben ça je contrôle. Et du coup bah c'est notre mission principale. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de braquage de tout ça, mais il y aura du contrôle routier. Après c'est sûr, si jamais il y a un braquage juste à côté de moi, bah je pourrais le voir. Vandalisme, ouais bah là c'est Los Santos International Airport. Déjà vous voyez le véhicule devant moi là, il roule vachement lentement. Du coup, je sais c'est pas forcément un motif pour le contrôler, mais par contre il est sérieux lui quand il s'arrête ici. On va aller se mettre sur le côté monsieur. Hop là. Ouh ouais. Il va se calmer hein, le gros camion. Ok nickel. Donc les gars, premier contrôle. Pour cette vidéo, je vais mettre... Ouais, ici, c'est bon. Ok, c'est bon. Je m'approche du suspect. On va faire un contrôle de plaque tout de suite. Hop là. Nickel, pour savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Oh, il y a deux individus. Messieurs, bonjour. Gendarmerie nationale. Est-ce que vous voudriez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ok, Fred Collins. Le véhicule Fred Collins. Alors, il aurait pas de permis, Fred Collins. Ok, alors, on va faire un P de check. Mais je sais pas si je l'ai fait en fait. Alors, il y a marqué qu'il avait pas de permis. Ok, donc monsieur n'a pas le permis. On va pas procéder à son interpellation tout de suite. Je vais contrôler le passager. Parce que si jamais les deux ils sont recherchés, je peux. Enfin là, j'appellerai une autre patrouille en renfort. Du coup, hop, monsieur le passager, vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Ok, Axel Patterson, on va contrôler ça. Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Licence ISBEC, no active warrant. Ok, du coup. Monsieur, vous allez sortir du véhicule tous les deux, messieurs. Voilà. Hop là. Monsieur, vous allez venir avec moi. On va se mettre en sécurité. Si possible, par là-bas, quoi. Hop là, venez. On va se mettre à côté de... Enfin, un peu éloigné de votre ami pour éviter qu'il y ait une tentative d'agression. Parce que ce ne sera pas la première fois. Donc, monsieur, vous n'avez plus le permis. Apparemment, votre permis a été suspendu. Est-ce que vous possédez quelque chose d'illégal sur vous? Regardez vous-même. Ok, monsieur, retournez-vous, mettez les mains en évidence, s'il vous plaît. Ne bougez pas, faites aucun geste brusque. Est-ce que vous avez des objets piquants, tranchants, coupants, quelque chose? Hep, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ok, je pense qu'il essaye de se barrer parce qu'il voit que je fais une fouille, il a sûrement quelque chose sur lui. Hep, monsieur, s'il vous plaît. Allez, monsieur. Venez avec moi, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Je vous ai pas dit que vous pouviez partir. Et le véhicule a totalement disparu, c'est tout à fait normal. Ok, du coup, monsieur. Ok, arrêtez. Ok, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal? Je vais lui demander, je vais poser la question. Ouais, ils sont assez, assez agités ces deux individus. Est-ce que vous avez... Allez, retournez-vous monsieur, on va procéder à une palpation de sécurité. Je vais appeler une patrouille en renfort parce que je sens qu'ils commencent à monter un petit peu en pression là les bonhommes. Il y a une patrouille qui va arriver. Ok, nickel. On a une patrouille qui arrive. Yes, ok. Oh, un sac de cocaïne. Allez, j'arrête l'individu tout de suite. Ok, c'est ici les gars, c'est ici. Ouais non, pas besoin de l'arme là, j'ai de la cocaïne sur lui. Hop là. Ok, du coup on va le prendre. Je vais pas faire le transfert. Enfin pas faire de transfert d'individu aujourd'hui les gars. Parce que je vais et monsieur aussi interpeller parce que conduite sans permis. Parce que ça prend beaucoup trop de temps de faire les allers-retours. Et quand je fais les allers-retours c'est que j'ai potentiellement quelque chose sur sur la route, je peux avoir une intervention. Alors que là il faut que je reste près d'ici. Ok, du coup, hop, j'ai appelé une patrouille pour les récupérer. Ok, j'attends la patrouille, du coup, il devrait pas tarder. Ok, elle est là-bas, nickel, c'est un Peugeot partenaire. Ok, bougez pas, messieurs, une patrouille va venir vous récupérer, je reste avec vous de toute manière. Hein. Je vous abandonne pas, waouh, j'ai eu du mal. Donc, monsieur, vous êtes arrêté parce que conduite sans permis. Et monsieur, vous êtes arrêté pour possession de cocaïne. Donc, c'est pour ça que monsieur a essayé de partir, les gars, au moment où j'ai commencé à faire la palpation. Parce qu'il avait quelque chose sur lui qui. Bah, qui l'inculpait directement, quoi. Ok, messieurs, bonjour. Ok, enfin, c'est les collègues, hein. Salut les gars, du coup, lui, conduite sans permis. Et lui, c'est possession de matière stupéfiante. Allez. Nickel, ça monte tranquillement dans le véhicule, allez installez-vous.
Ouais, tout à fait normal, hein. Rien de plus normal pour que ça, la portière qui tombe tranquille. Ouais, donc voilà. Ok, du coup, bah pour nous, fin d'intervention. Hop, nickel, ils ont été embarqués du coup. Ok, parfait. Ils ont pas plus de portière, mais bon, ça a pas l'air de trop les déranger. Elle est là, leur portière, donc génial. Ok, du coup, les gars, on va se remettre sur l'axe routier principal et on va faire des contrôles, tout simplement. Je vais mettre au carrefour qui est là-bas, là où à gauche, il y a le bar, le petit supermarché que j'ai découvert dans ma vidéo taxi. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, les gars, allez voir la vidéo taxi car elle est franchement pas mal. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat, les gars. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Ok, du coup. Et en plus, on est bientôt 5000 sur Instagram et ce serait totalement ouf. Les gars, du coup, il faut que je mette sur ce carrefour là que je peux mettre en place mon contrôle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me... Ah, on a une collision, un accident. Bah ça c'est une intervention de la route. Ok, du coup on va faire les contrôles et aussi les interventions de la route. Donc là c'est... ma mission ça va être de sécuriser les lieux et de faire les relevés pour les matières stupéfiantes et tout ce qui est alcoolémie des impliqués. Et s'il y a la gendarmerie qui a appelé, c'est qu'il y a probablement un bilan humain quoi, enfin qu'il y a sûrement des blessés. Et du coup, c'est pour ça qu'on est envoyé. Sinon, généralement, il n'y a pas forcément la gendarmerie. Mais là, apparemment... Parce que je tiens à vous dire que quand il y a un accident et qu'il y a des victimes, il y a forcément une enquête de gendarmerie ou de police nationale qui est réalisée. Du coup, voilà, je pense qu'il doit y avoir les SP qui sont présents. Ok, donc c'est là-bas. Ou alors, non, il n'y a pas les SP qui sont présents encore. Ok, donc les gars, j'ai été mauvaise langue. Là, les pompiers ne sont pas présents sur l'intervention. Ok, j'ai une personne blessée. Ok, j'appelle un SAV tout de suite. J'ai une personne qui a été blessée à l'intérieur du véhicule. Bon, il a pas l'air d'être conscient. Ok, du coup, on va attendre le SAV. Oh, il part de 2 km, c'est énorme. Il part d'où là? Ah ouais, de tout là-bas, mais vous m'étonnez que ça va prendre du temps. Bon bah du coup, je pense que... C'est quoi la touche pour les dépêcher? Divide. C'est bon. J'ai fait divide. Ah, ils sont là, cool. Ouais, parce que voilà. Ok, les pompiers sont là-bas, ils vont faire leur intervention. Ok, nickel. Mais ils sont sérieux quand ils gardent le SAV tout là-bas. Là, il y a le chef d'agri qui va venir à ma rencontre. Ok. Salut, chef. Alors, une personne est incarcérée dans son véhicule, le véhicule retourne. Ok, d'accord. Ça marche, hein. No fucking dream, mais bon, hein. Il y a quand même une personne blessée, hein. Ok, du coup, je vais rapprocher un petit peu leur SAV parce que je sais pas pourquoi ils sont partis le mettre à perpète. Ok. On va le mettre juste derrière le Peugeot Partner. Ok, nickel. Alors, sapeur-pompier de Paris, si vous n'avez pas vu la vidéo, les gars, je vous invite à aller la regarder. Donc, je vais déjà faire un contrôle de plaque, savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Ok. Ok, le monsieur est conscient. Le monsieur est conscient. Electra Green. Ok. Le véhicule n'est pas signalé de quoi que ce soit. Ok, Dent Compton. Ok, nickel, monsieur a l'air d'aller bien. On va pouvoir il va être conditionné. Donc le permis, pas recherché. Donc apparemment monsieur c'est pas son véhicule. Mais bon, voilà, c'est rien de très très grave. J'ai bien l'impression que monsieur s'en sort bien pour cette fois-ci. Ok, eh bien parfait. Ok, eh ben merci les gars de votre aide, hein. Bon courage. Et moi, je vais faire évacuer le véhicule par le biais d'une dépanneuse. Ok, hop, et là, un petit tow truck, ils sont là. Ok, et me percute pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Merci. Ok, bah du coup, l'individu part aux urgences avec les sapeurs-pompiers de Paris. Donc, nickel. Et du coup, nous, hop, là, on retourne en patrouille sur la route pour essayer de faire un petit contrôle routier. Donc, petit accident de la route bien sympa, j'ai fait ma petite enquête. Apparemment, j'ai pas fait de dépistage à monsieur. J'aurais probablement dû, mais il sera fait par les collègues ultérieurement dans quelques heures, après qu'il soit remis de son opération et que l'équipe médicale nous ait permis de l'approcher et de lui poser quelques questions. Du coup, on va contrôler le véhicule rouge qui arrive là-bas, là. Ce serait bien si je pouvais avoir quelques motards non casqués ou sans équipement ou sans gants. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Un petit motard en infraction, parce que ça... Il y a une potentielle course-poursuite derrière tout ça, hein. Allez, du coup, on va contrôler monsieur, bien gentiment. Ok, nickel. Allez, monsieur. Gendarmerie nationale, mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. Ok, nickel. Bon, et par contre, les gens, c'est du grand n'importe quoi. Aux États-Unis, ils connaissent pas le bas-côté. Genre, c'est directement la route. Ok, du coup,
Où est-ce qu'on va se mettre ici? J'espère qu'il allait par là. Ah, parce que sinon c'est dommage pour lui. Ah oui. Encore plus sur le bas-côté, monsieur. Ok, nickel. Je vais m'approcher de lui tranquillement. On va faire une petite plaque, histoire de savoir à qui est-ce qu'on a affaire une fois de plus. Ok. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. Voilà. Ah, c'est génial, je savais plus qu'on pouvait voir ça. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule? Non. Est-ce que vous avez bu aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris des drogues récemment? I want my lawyer. My lawyer now. Ok, d'accord, je peux charger le véhicule? Ok, donc monsieur veut son avocat. Déjà, ça c'est bizarre. Alors, du coup, ah ouais, je vais pas demander son nom. Alors, est-ce que vous avez une pièce d'identité, monsieur? Ok, Garrett Lamping, on va savoir qui est monsieur, j'ai même pas regardé le véhicule, à qui est-ce qu'il appartenait. Ok, monsieur est recherché par le LSPD, en plus de ça, ok, bon. Les gars, on va la faire intelligemment. Ok, je vais faire un felony stop. Oh, attendez. Ok, j'ai appelé une patrouille. Ok, nickel, la patrouille est ici. Nickel, les gars. Donc là, on a un collègue qui va venir en renfort. Parce que monsieur est recherché. Et apparemment, j'ai l'impression qu'il est drogué et qu'il a un petit peu bu. Ok, du coup. Sortez du véhicule, monsieur. Eh, bougez plus, monsieur, s'il vous plaît. Eh, mais. Ok. Collègue. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Vas-y, arrête-le, s'il te plaît. Passe-lui les menottes. Il lui fait un doigt? Ah non, d'accord. Ok, nickel. Bon, je vais juste mettre son véhicule au copain un peu plus sur le bas-côté, quand même. Histoire que on évite de bloquer toute la circulation. Ok, nickel. Ensuite, collègue, tu lui fais un petit test d'alcoolémie, s'il te plaît. Merci. Ok, nickel, il fait ça. Alors, du coup, les résultats, qu'est-ce que ça donne? Ok, 4 grammes. Oh, punaise, le mec, c'est un démon. Ok, tu me fais un petit test de matière stupéfiante, s'il te plaît, dans la foulée. De toute manière, monsieur, le véhicule va être évacué par une dépanneuse. Je vais pas vous laisser repartir avec. Hein. Il est hors de question que vous repreniez la route dans cet état. Positif, positif. Ok, d'accord. Donc, monsieur part directement en garde à vue. Hop, un petit top truck. Direct, pour le Gresley. Ensuite, un petit transport pour monsieur. Sauf que là, j'aime. Ouais, il va pas partir aux urgences. Il va pas partir aux urgences. Hop là, un petit transport pour monsieur par les collègues. Allez, on va les attendre. Ils sont juste là-bas. Ok. C'est ici, les gars. Ok, alors un individu recherché par le LSPD. Conduite en état d'ivresse, conduite sous l'emprise de stupéfiants. Donc là c'est retrait de permis, garde à vue directement pour lui. On réfléchit pas. Ok. On est 3 gendarmes sur place, c'est cool. Et la portière elle va encore se péter la gueule, je suis sûr. Allez, hé. Allez. Montez, voilà, nickel. Voilà, allez, merci collègue. Et bon courage avec lui, hein. Il a pas l'air très très frais. Il a 4 grammes aussi, j'ai oublié de te préciser, hein. Et positif à la marijuana et la méthamphétamine. Ok, du coup on va pouvoir rentrer chez lui là, je sais pas ce qu'il. Allez, bon courage collègue, merci. Il m'a un petit peu servi à rien, enfin je lui ai un peu donné du travail parce que c'est un nouveau quoi, là faut le former un petit peu. Ok, du coup nickel, deuxième contrôle. Ouais, deuxième contrôle, tout va bien, aucun problème. Ah merde, son véhicule est fermé parce que je l'ai utilisé. Ah, c'est bien dommage. Du coup on va tenter de faire le contrôle là où je l'avais prévu initialement, donc c'est à dire au carrefour de là-bas, et essayer de contrôler du véhicule seulement. Il me semble pas que je puisse faire un contrôle en étant à pied, du coup il faut que je fasse un contrôle d'individu et non de véhicule. Et du coup c'est ce qu'on va essayer de faire, mais j'ai peur que le véhicule il s'arrête en plein milieu de la route, que je dois me déplacer moi-même et tout, ce sera un bordel. Du coup on va se mettre ici, comme ça il nous voit pas tellement. Et je vais me mettre ici là, puis je vais faire un truc sur le conducteur. Ok, le stop directement, lui j'interpelle. D'accord, donc je pensais que les gens s'arrêtaient au stop dans GTA, mais j'avais oublié que ils savaient pas ce que c'était un stop. C'est un panneau rouge, il y a un panneau rouge à beaucoup d'intersections, mais personne s'est posé la question de savoir ce que c'était. Allez, il va s'arrêter sur le côté. Bien sûr, il va s'arrêter au milieu de la route, je l'avais prévu. Et du coup, on va le mettre sur le côté nous-mêmes.
Ok, nickel, parfait. Allez, venez, monsieur. On va se mettre sur le bas-côté pour procéder à un contrôle. Allez, venez, voilà, par la fenêtre, il m'a vu. Du coup, je sens que là, ça va être du frais encore. Ok, parfait. Alors, un petit... Ouais, j'ai eu peur que le truc rouge en bas. Un petit contrôle de plaque dans la foulée. Hop là. Ok, du coup, monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. On va procéder à un petit contrôle. Est-ce que vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Chris Bay. Ok, pas l'assurance, le véhicule. Ok, on est face à Chris Bay. C'est bien le propriétaire du véhicule. Un petit pay de check. Savoir qui est Chris Bay, quand même. Ok, licence historique, notif warrant. Bon, du coup, monsieur... Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule? Non, pourquoi? Ok, est-ce que vous avez bu? Juste hydraté. Ok. Est-ce que vous avez bu d'alcool dans la dernière heure? Ok. Bon, on va faire un petit contrôle d'alcoolémie au véhicule, hein, directement dans le véhicule. Voilà, monsieur. Voilà. Nickel. Soufflez. Ok, il a pas bu, monsieur. C'est déjà un bon point pour nous. Et hop, là, un petit test d'alcool et de dépistage de matières stupéfiantes. Voilà. Bien sur les parois, monsieur. Ah. Il y a une petite poursuite. Effectivement. Positif au cannabis. Allez, monsieur, vous allez descendre, s'il vous plaît. Bah, génial. Du coup. Non. Ok, on va. Je vais le mettre sur le côté. Je vais faire comme ça maintenant. Ok, du coup. Monsieur. Allez, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Voilà. Hop là. Regardez vous-même. Ok, retournez-vous, monsieur. Mettez les mains en évidence. Ne faites aucun geste brusque pour votre sécurité. Hein. Ok, une petite fouille au corps pour monsieur. En plus, il est torse nu. Le véhicule n'est pas assuré, faut pas que j'oublie. Ok, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Un ticket d'avion, d'accord, très bien. Une capote, ainsi qu'un paquet de cigarettes. Ok, bon. Du coup, monsieur, c'est good. Par contre, vous conduisez sous l'emprise du cannabis, ainsi que le véhicule n'est pas assuré. Du coup, je suis désolé, mais la route va s'arrêter là pour vous. L'aventure est finie pour vous et c'est irrévocable. Hein. La sanction est irrévocable. Du coup, you're now following a new pending court. Press F9. Non, je vais empler un transport directement. Ok, nickel. Du coup, ce véhicule-là, lui, il va être immédiatement tow truck. On réfléchit pas. Et du coup, bah, pour nous, c'est good. Deuxième interpellation pour l'emprise, enfin, pour avoir consommé des matières. Ok, du coup, nous, c'est reparti, les gars. On va passer par là-bas. Donc, je peux dire que j'ai effectué mon contrôle, mais seulement le véhicule a grillé le stop. Du coup, je l'ai contrôlé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ouais, mon véhicule est pas abîmé. Les gens s'en foutent. On va pas s'arrêter. Ok, bah là, ça sert à rien d'y aller. C'est clairement inutile. Par contre, on nous signale pas un petit véhicule. Ok, bon, un tireur dans la station 19, je suis désolé, mais on va pas s'occuper de ça. Seulement, là, je suis en train de m'éloigner de là où je dois aller, en fait. C'est assez problématique. Donc, je vais faire demi-tour tout de suite et on va contrôler la caravane. Ok, allez, petit contrôle sur la caravane. Hop, là, on va faire un petit plate check, un petit traffic stop. Allez, sur le bas-côté. Ouais, c'est vachement le bas-côté, ça. Ok, Felipa Vargas. Et en plus, c'est génial parce que je peux l'emmener ici, ma petite Felipa Vargas. Hop là. Allez, venez. Elle va se manger le truc. Oh, c'était sûr. Ok, bon, on va s'avancer jusqu'ici. Je vais laisser le minivan ici. Hop là, nickel. Il est à peu près caché par la barrière. Du coup, si jamais ils veulent se barrer, ils devront taper dans mon véhicule ou reculer et j'aurai le temps de plus ou moins réagir. Alors, monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez une pièce d'identité à me fournir, s'il vous plaît? Ok, Giorgio Luca. Bonjour, le passager, Johnny Bringle. Ok, du coup, on va commencer par Giorgio Luca, étant donné que c'est lui notre conducteur. Ok, Giorgio Luca. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur lui? Ok, licence unique, notif warrant. Ok, très bien, monsieur. Je me souviens de plus de son nom, mais il me l'a donné. Ok, du coup, nickel pour... Johnny Bringle, voyons voir ce que nous avons dans les papiers. Tout est en règle, le véhicule, j'ai pas eu de remontée comme quoi il y avait quoi que ce soit qui n'allait pas. On va revérifier. J'ai pas eu le souvenir. Hein. Après, peut-être que je me trompe, je sais pas du tout. Ok, Felipa Vargas, il me semble pas que c'était lui non plus, donc pas recherché. Ok, bah très bien, messieurs, tout est en règle, hein. Je vous laisse repartir. Au revoir. Bonne journée. Je vais me dégager avant qu'il me percute. Ok, nickel, donc pour nous, fin de contrôle, tout va bien. Rien à signaler sur cet individu. J'ai pas fait de test d'alcoolémie parce qu'il me paraissait... Ah, peut-être que le conducteur il fumait, j'aurais pas dû regarder ce qu'il fumait. Ah, j'ai été un petit peu débile, les gars, là. Un petit peu débile.
Ok, là-bas il y a deux véhicules, je sais. Waouh, j'ai eu chaud. Je sais pas trop ce qu'ils font, je viens de les voir sur la minimap, j'ai l'impression qu'ils faisaient la course, mais ils partaient pas du tout dans ma direction, malgré qu'en réalité la gendarmerie aurait dû les poursuivre. Du coup, on va partir à droite au niveau du carrefour. Hop là, pour essayer de voir. Oh, poursuite in progress. On va essayer de se rapprocher de. Ok, bah intervention annulée. On fait demi-tour dans la foulée. Pardon. Et on va directement par là-bas. Est-ce que monsieur va griller le stop? Ok, monsieur grille le stop. Les deux véhicules ont grillé le stop en fait, mais bon, je vais arrêter que le premier parce que je peux pas tout faire tout seul non plus. Ok, il s'arrête en plein milieu de la route, une fois de plus. Ok, allez, venez. Ok, ouais, j'ai pas trop compris, je suis désolé les gars. Ok, allez. Hop là. Allez, il s'approche tout doucement. Ok, ouh, il y a du monde là, il y a du monde. Je l'appelle une patrouille tout de suite. Ah, un traffic stop. Ok, je viens d'appeler un traffic stop. Ah, c'est génial. Génial. Ok, du coup, je m'approche du suspect tranquillement. Il y a la patrouille qui est juste derrière pour nous appuyer. Ils sont là-bas. Ok, nickel. Ok. Ok, nickel, bon. Ok, le collègue. Oh, il est pas con, lui. Ah, lui, il est vraiment pas con. Putain, ici, il est un peu con, en fait. Eh, hey, mais arrête-toi. Arrête-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord, t'as pas l'impression de foutre la merde un petit peu là? Non, rien du tout, tout va bien. Et en plus, c'était même pas avec le bon de ton quoi. Ok, du coup, voilà. Police is stand by. Ok, nickel. Donc, il m'appuie au cas où qu'il y ait quoi que ce soit. Monsieur, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Johnson Jackson. Oh, ok, vous êtes de la famille? Non, je rigole. Ok, donc le véhicule, je sais qu'il y avait un truc, il faudra que je regarde ce que c'est. Mais je veux déjà contrôler les usagers. J'ai vu que ça fumait là-bas. On va procéder à un. Vous savez quoi, je vais contrôler tout le monde avant de faire quoi que ce soit. Parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'armé et que voilà quoi, je n'ai pas remarqué. Ok, un petit. Hop là, un petit pet de check. Ok, Mario de la Torre. Ok, licence d'une active warrant. Moi, c'est juste le no active warrant qui m'intéresse là, étant donné qu'ils conduisent pas. Je m'en fous qu'il ait permis ou non. Et Kayla Folsic. Allez. Ok, tout est en règle. Monsieur, bonjour. Est-ce que. Enfin, rebonjour. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule? Non. Est-ce que vous avez bu aujourd'hui? Non. Est-ce que vous avez consommé des drogues aujourd'hui? Ok, bon, on va faire un petit contrôle d'alcoolémie dans un premier temps. Donc allez-y, soufflez. Allez-y, monsieur, soufflez. Parfait. Nickel. Oh là, attention, excusez-moi. Ok, donc tout est en règle pour l'alcoolémie. Tu notes, hein, José Bové. Je sais pas pourquoi je dis José Bové. José, tu notes, hein. Allez, retire-toi à l'alcoolémie. On va faire un petit test de stupéfiant. J'ai un petit peu bugué les gars, je suis désolé. Parfois c'est pas GTA qui bug, moi aussi j'ai des bugs mentaux. C'est incroyable, c'est dur à vivre, c'est très 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 dur. Ok, négatif, donc tout est en règle pour monsieur. Le véhicule, j'ai vu qu'il y avait un truc il me semble. On va revérifier ça. Hop là. Hop là, nickel. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors monsieur, attendez deux petites secondes. Ok, Johnson Jackson. Expiré de registration. C'est quoi ça? Expiré de registration. Il est pas enregistré. Ok, bon, on va faire un petit penalty. L'offense enregistrée, c'est quoi enregistré? Bon, je sais pas. Du coup les gars, nous on va le laisser partir. Allez-y monsieur, vous pouvez y aller, au revoir. Ok. C'est bon, tu peux y aller, merci. Ok, du coup pour nous, fin d'intervention, les gars, fin de contrôle. ATM Robbery Sandy Shore, c'est pas pour nous, je suis désolé, on va le faire peut-être dans une prochaine patrouille en gendarmerie ou en police nationale. Et le véhicule, ouais, j'ai cru qu'il allait faire demi-tour en plein milieu de la circulation, j'allais devoir le re-arrêter. On va finir par un petit contrôle avec ce petit 4x4 là qui me semble totalement adapté pour un contrôle routier. En plus il s'est mis bien direct. Hop là, je vais pouvoir. Il n'y a même pas eu de délit de fuite là, il y a peut-être que ce sera notre premier délit de fuite. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale, est-ce que vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Marc Hazel. Pas trop compliqué comme prénom. Ok, Marc Hazel. Ok. Voir ce qu'on a dans les papiers, dans les dossiers. Hop. Ok, licence IV, no active warrant. Le véhicule. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, Lorraine Devalo, mais bon, elle est pas là, c'est pas elle. Ok, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose de... Est-ce que vous avez... quoi?
Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule? J'ai la tête d'un criminel. Que vous avez consommé de l'alcool? Non. I'm in the cloud. Ok, monsieur, on va faire un petit dépistage d'alcoolémie, enfin un test d'alcoolémie, un petit dépistage de matière stupéfiante avant de vous laisser repartir quand même. Ok. The person failed to provide a valid point sample. Ok, bon, ça va partir en gendarmerie. On va faire une petite prise de sang, monsieur, si vous refusez de souffler. Allez, monsieur, soufflez, monsieur, allez. Un petit effort. Ok, bon. La matière stupéfiante maintenant, savoir s'il y a quoi que ce soit. Allez, monsieur, mettez ça dans vos joues. Voilà, imbibez bien de salive. Ok, allez, ça descend du véhicule immédiatement, monsieur. Je vous interpelle pour tout simplement consommation de matière stupéfiante et refus de vouloir souffler. Ok, refus d'obtempérer. Ok. Arrêtez-vous, monsieur, c'est la gendarmerie nationale, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous, monsieur. C'est un conseil que je vous donne, mettez-vous au sol tout de suite, au sol. Allez, couchez-vous. Coopérez, monsieur, c'est pour votre sécurité là que je vous demande de coopérer, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Au sol, parfait. Ok les gars, l'individu a coopéré, son véhicule a disparu, rien de plus normal. Et on appelle une patrouille immédiatement pour monsieur. Oh là, il y a une patrouille va venir vous récupérer, monsieur. Et du coup, nous les gars, ça va être la fin de cette vidéo, malgré le fait qu'il y a un meurtre à même pas 150 mètres de nous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixiz et ciao, bye bye.